J'ai dû refaire mon sapin je ne sais pas combien de fois. Surtout que c'est pas mon sapin, c'est les filles qui ont fait le sapin. Parce que moi, j'aurais jamais choisi ces couleurs-là. J'aime pas le violet. Mais bon, ça fait plaisir aux filles, c'est le principal. Mais la vilaine, là, elle a tout détruit. Cara, mais donne pas des coups de patte, vilaine. Eh, profites-en parce que demain, il s'en va, le sapin. J'ai froid, là. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avant toute chose, bonne année et bonne santé, c'est primordial en ce moment. Je souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Du bonheur, de l'argent, de la joie, de l'amour, du... Enfin bref, tout ce qu'il faut pour réussir une vie correctement quoi. Voilà. Ah t'es descendu? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es bloqué? Voilà, ça y est, c'est bon, allez, descendez. La vilaine! Regarde la tête de la vilaine! Regrimpe pas dedans, hein. C'est pas parce que je t'ai mis là que... Non, 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 non. T'es descendue, tu remontes pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vais te montrer les créations que j'ai réalisées au mois de décembre. Celle de l'année dernière, du coup. Ben oui. Mais... Je n'ai rien fait du tout en polymère, en fimo. Rien de chez rien. Que dalle. Que nini. Zéro. Que dalle. Nada. Rien. Non, franchement, j'ai fait aucun bijou en polymère, mais vraiment zéro. Le mois de décembre, je n'avais pas une seule minute à moi. C'était affolant, je n'ai rien pu faire en polymère. Mais rien de chez rien. C'est. Mais moi, ça m'a choqué, ça m'a surprise. Du coup, la dernière semaine. Enfin non, la semaine de Noël, juste avant Noël, ouais, bref, je me suis amusée à faire plein de bijoux en résine, parce que la résine c'est beaucoup plus rapide. Enfin non, c'est pas que c'est beaucoup plus rapide, parce que c'est long à faire la résine, mais en fait, quand tu fais de la résine, t'en fais beaucoup d'un coup. Tu vois, tu remplis tous tes moules, ça fait beaucoup. Alors que polymère, quand tu fais des bijoux en polymère, c'est un par un. Donc c'est beaucoup plus long. Là en résine, tu balances tout d'un coup, et hop, ça y est, c'est fini, t'attends 24 heures, 12 heures, 24 heures, puisque moi c'est de la résine époxy. Et puis voilà, le tour est joué. Et du coup, bah, j'ai un petit peu abusé finalement. Parce que je me retrouve avec 44 bijoux en résine. Ça fait beaucoup. J'ai pas fait attention à ce que je faisais. J'ai fait tout ce que j'avais. Et bah du coup, ça fait... Enfin, pas tout, mais... Bref, du coup, ça fait 44 bijoux. Alors, on va essayer de faire vite. Voilà. Et sur les 44 bijoux, j'ai fait 5 tutos en résine. C'est pas mal quand même, ça va, 5 petits tutos en résine. Ça change des bijoux, des tutos en polymère. Là, j'ai fait des tutos en résine. Alors, je sais pas si tu as vu mon autre vidéo sur ma seconde chaîne YouTube, mais malheureusement, comme je l'ai dit plusieurs fois depuis pas mal de temps, maintenant, je n'ai plus une seule seconde à moi. Je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Du coup, je suis obligée d'arrêter ma seconde chaîne YouTube spécialement dédiée aux tutos. J'en suis vraiment désolée, ça me fait vraiment chier. Ça fait un petit moment que je penche sur le sujet et j'ai pas trouvé d'autre choix que de malheureusement d'arrêter cette chaîne YouTube là. Alors la chaîne reste là. Je continuerai de répondre aux commentaires s'il y en a, même si je suis longue à la détente, je finis toujours par le faire. Mais malheureusement, je pourrai plus faire de vidéos. Les vidéos qui sont déjà dessus restent dessus, elles seront toujours disponibles, mais il n'y aura pas de nouvelles vidéos. Pas pour le moment en tout cas, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est impossible de faire des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, c'est le seul jour où j'arrive à faire des vidéos. J'ai fait la vidéo spécialement pour ma seconde chaîne YouTube, il y a celle-là et je dois en faire encore une après. C'est le seul jour où j'ai un peu de disponibilité, quoi. Sinon, en dehors de ça, c'est... Même pour faire les montages vidéo, je sais même pas comment je vais m'y prendre. Parce que les montages vidéo, c'est hyper long aussi à faire. Surtout ce genre de vidéo qui déjà est très longue. Alors le montage vidéo, je t'en parle même pas. C'est compliqué. Bon bref, du coup, aujourd'hui, je vais te montrer les créations que j'ai réalisées en résine. Les créations du mois de décembre. Et puis voilà. Donc l'avantage de la résine, c'est que j'ai pas besoin de poncer. Ça fait du bien mes mimines. Tous les bijoux que je vais te présenter dans cette vidéo-là seront déjà disponibles sur ma boutique. Tout bêtement. Parce voilà. Que même mettre les bijoux sur la boutique, ça demande beaucoup de temps. Surtout quand on en fait beaucoup comme ça. C'est très long. Du coup, je suis obligée de le faire en plusieurs fois.
sur plusieurs jours différents. On peut pas mettre 44 bijoux d'un coup. Oh là là, non. Pas du tout, non. J'avais autre chose à dire, mais je sais plus ce que c'est. Vous t'étonnes pas si je suis habillée de la même façon sur les trois vidéos. C'est normal, je fais les trois d'un coup. On s'en fout, hein. C'est qu'un détail. Les sapins qui me cachent et la luminosité, c'est génial en plus. Il y a deux bijoux qui sont pas encore terminés. Je vais te les montrer quand même dans la vidéo, mais ils ont besoin d'encore une petite sous-couche de résine. Mais malheureusement, j'ai plus de résine. Alors bah, pour l'instant, ça restera en stand-by. Donc du coup, c'est parti, j'arrête de blablater et je te montre les créations que j'ai réalisées en résine. Et on commence avec la première catégorie. Oui, on va appeler ça comme ça. J'ai fait plein de petites pinces pour les cheveux. Enfin, des pinces, des... Comment t'appelles ça? C'est souvent, tu les utilises pour faire des chignons, principalement, mais tu peux les utiliser pour plein d'autres façons. Alors là, j'ai plus visé pour les modèles que je vais te présenter pour des petites filles, mais moi, il y en a certaines que ça me dérangerait pas de mettre dans mes cheveux, hein, par exemple. Mais je dis ça, je dis rien. Donc il y en a 9, et c'est des petits diamants en résine que j'ai teintés avec des encres à alcool, tout bêtement. Donc pour réaliser tous ces petits diamants-là, eh bien, j'ai utilisé un moule, un seul moule, où il y en avait plein de petits à l'intérieur, et du coup, bah, je me suis amusée à faire tout ça. Voilà, voilà. Eh bien, j'ai des petites boucles d'oreilles puces, exactement avec le même moule. Des toutes petites, pareil, c'est plus, principalement pour les petites filles, mais les adultes peuvent très bien en mettre aussi. Voilà quoi. Je fais pas beaucoup de bijoux pour les enfants, c'est principalement pour des adolescents ou des adultes. Donc j'ai vraiment là, j'ai voulu viser pour les enfants, pour ces petits bijoux là. Voilà. Donc voilà mes petites boucles d'oreilles puces, en diamant, en résine, avec les encres à alcool. Petite paire de boucles d'oreilles en résine mais en perles. Donc il y en a avec de la feuille d'argent et les autres c'est aussi avec de la feuille d'argent mais avec des encres à alcool rouge. Une encre, bah oui j'en ai utilisé qu'une, pourquoi j'ai dit plusieurs? En bref, on s'en fiche. Alors c'est pareil, j'ai fait 3 bagues pour les enfants et 4 pour les adultes. Là c'est vraiment pour les enfants parce que même moi, mon petit doigt ça rentre pas. Mon doigt ne rentre pas dans la bague. Ma bague ne rentre pas dans moi. Ah bah non, ouais non, c'est bon. Tu veux les diamants droits. Donc c'est vraiment des toutes petites bagues, vraiment pour les enfants. Pour les tout petits, hein, parce que même ma fille de 10 ans, c'est un peu trop petit pour elle. Donc c'est vraiment des toutes petites bagues quoi. Et donc j'ai encore, pour les enfants, j'ai encore utilisé le même moule diamant avec les encres à alcool. Et voici les 3 petits bagues. Et ensuite les 4 bagues pour adultes. Donc il y en a des rondes, il y a 2 rondes et 2 diamants. Là je suis un peu couillon, j'ai fait les trucs à l'envers et du coup ça fonctionne pas. Alors faut que je refasse ça. J'avais fait 2 magnettes, 2 aimants, sauf que j'ai mis l'aimant à l'envers. Alors bah ça tient pas sur le frigo. Blonde un jour, blonde toujours. Du coup, et puis j'arrive pas à enlever les aimants pour les remettre à l'endroit. Ils sont bien ancrés dans la résine, ils tiennent bien. Du coup, bah, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais recoller des aimants à l'endroit, à l'intérieur. C'est couillon, du coup ça me fait du gâchis, mais bon. Voilà, bref, j'ai deux... Bah, pour l'instant, ceux-là, ils sont pas sur la boutique. Il faut que je les refasse.
Enfin, il faut que je refasse un aimant à l'intérieur. Non, pas que je le refasse, non. Il faut juste que je remette un aimant à l'intérieur. Mais sinon, voilà, c'est des deux petits cœurs en résine pour mettre sur le frigo ou ailleurs. Mais pour l'instant, ils servent à rien. Ensuite, on passe au bijou suivant. Donc là, on passe au collier. Il y a 4 pendentifs, mais tout le reste, c'est des colliers. Et le premier, tu l'avais déjà vu en vidéo sur pour les créations du mois de novembre. Ouais, je crois que c'était aux créations du mois de novembre. Et tu l'avais aussi en tuto, mais je trouvais que ça manquait de quelque chose. Du coup, j'ai rajouté une petite couche de résine par-dessus. Voilà. Donc c'est mon petit bijou verdoyon. Je sais pas si tu t'en souviens. Et j'ai mis une couche de résine par-dessus. Je me répète, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, le bijou suivant, je l'ai loupé. Donc il est pas sur ma boutique. Mais je l'ai quand même monté et finalement, je vais le garder pour moi. Mais il est complètement loupé. Normalement, ça devait faire un joli dôme bien rond, bien... Un pot dôme, quoi, bien rond. Et le dôme, en fait, il a le cul plat, quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, ça fait louper. Et vu que j'ai voulu rectifier le tir en refaisant un dôme, en rajoutant des petites gouttes pour que ça fasse un joli dôme, et ça s'est pas passé comme prévu. Et toute la résine a coulé de tout partout. Et ça fait archi dégueulasse. Alors, voilà. En fait, j'aurais dû laisser le cul plat, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, tant pis, hein. Et du coup, le cul plat, il est resté, mais en plus de ça, ça a dégouliné. Donc c'est invendable sur la boutique, c'est pas possible. Alors je me sacrifie, je le garde pour moi. C'est pas grave, hein. Moi, je suis contente quand même, donc c'est le principal. Ensuite, j'ai un petit bijou steampunk, avec plein de petits engrenages. J'aime bien faire un peu de steampunk, comme ça, de temps en temps, c'est rigolo. Avec des feuilles dans les tons rouge, violet et doré, et j'ai rajouté des petites perles lucides sur la chaîne parce que moi j'adore les perles lucides. Enfin bref, voilà. Un attrape-rêve. En fait, ces deux bijoux-là, c'est exactement comme la technique que j'ai fait en tuto, le dernier tuto que j'ai fait. C'est exactement la même chose. J'ai utilisé des estampes différentes. Une feuille, enfin plusieurs feuilles même du coup, et un attrape-rêve. Et j'ai rajouté des fleurs lucides sur la chaîne. Non, pas des fleurs, des feuilles. Suivant, il est très poétique. Alors, rien à voir avec les poétiques lovers, hein. Ça c'est ma génération. J'étais petite quand j'écoutais les poétiques. Bon, bref, t'as une nostalgie là. C'est un petit collier de libellule avec des ailes de libellule sur un chandelier. Voilà, et du coup j'ai rajouté des petites perles en dessous. Les mêmes perles qu'il y a sur la chaîne. Collier suivant, je suis un peu déçue. Ça m'a fait une très grosse bulle à l'intérieur. Après, ça fait un effet. C'est pas du tout l'effet que je voulais. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça va bien ensemble quand même. Enfin bref, j'ai fait une petite méduse à l'intérieur d'une fiole que j'ai remplie en résine. Que j'ai remplie de résine. Voilà. Thank you.
ma bonne vieille chanson avec une petite paire de boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Ensuite, un petit diamant tout en bleu, tout simplement. Les deux bijoux suivants, j'ai voulu faire un effet galaxie. Donc il y a un diamant et une demi-sphère. Malheureusement, je pense que j'ai mis un peu trop de rose dans mon effet galaxie. Donc voilà, c'est fait, hein. Comme on dit, jamais 203. Et donc voici une troisième sphère en résine. Et cette fois-ci dans les tons... En fait, j'ai mélangé du rouge et du jaune, et du coup ça m'a fait une sphère orange. Voilà. Je trouve ça rigolo dans ma sphère, c'est qu'en fait on voit un petit visage, il y a les deux yeux et la bouche. Enfin ça, c'est mon imagination, après... Voilà, hein. Ensuite, les deux colliers suivants, c'est des clés mystiques, féeriques, comme on veut. Et en fait, tous les éléments, je les ai collés avec la résine, parce que la résine, là, on la voit pas, elle est pas apparente, mais je m'en suis servi comme de colle, pour coller tous les petits éléments. Comme ça, normalement, logiquement, c'est incassable, comparé à la super glue qui a tendance à ne pas tenir, tout simplement. Et bien, avec la résine, c'est un peu plus costaud, voilà. Donc voilà mes deux jolies petites clés, une en argent et une en bronze. Et j'adore ce genre de clés, je pense que je vais essayer d'en faire parce que je trouve ça trop mignon, trop joli. Et il y a des possibilités à l'infini, tu peux faire énormément de choses quoi. J'ai refait deux colliers de l'amitié en forme de cœur. Là, la façon que j'ai fait, c'est plus un cœur de l'amitié, c'est un cœur brisé. Enfin bref, on s'en fout. J'en ai marre, faut que j'arrête de parler pour rien dire. J'ai fait deux colliers de l'amitié en résine et voilà, c'est tout. Je me suis amusée avec la feuille d'argent et dans le fond, j'ai rajouté des encres à alcool. Le cœur, pareil, exactement la même chose, et j'ai voulu faire un effet marbré à l'intérieur, et encore une fois j'ai rajouté plein de feuilles d'argent. Et pour ce collier là j'ai fait exactement la même chose que le cœur de l'amitié, c'est exactement la même chose. Un effet marbré dans de la résine. Bonjour maman! Bonjour mon cœur! Ça va? Ça va et toi? Voilà. Je suis en train de faire une vidéo, tu vas passer devant la caméra.
quoi? Au secours, maman! Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, quand, la vidéo de présentation des bijoux. Ah oui? Mais pourquoi je suis en train de filmer, puis tu m'appelles en même temps, donc, hein? J'ai pas arrêté la caméra, hein? Bon, non, mais c'est pas grave, je vais couper des passages. Bisous, ma chérie. Bisous, maman. Allez, à bientôt. À bientôt. Tu me mets en mode amour. Mais du coup, je sais plus où j'en étais. Maman, t'es chiante, hein. Oh, puis je perds encore mes cheveux. Putain, c'est chiant, ça. Je les sème par milliers. Pour ça, elle me disait c'est un peu trop calme là. Maintenant, ils sont partis faire dodo, mais bon, donc je pense que j'en étais à ça. À la dernière catégorie, les pendentifs. Les petites fées et sirènes que je t'avais montré justement au mois de novembre, que je t'avais dit que je devais les faire en résine. Mais après, je t'ai dit, mais la résine, je compte pas en faire tout de suite. Mais finalement, et bah, vu que j'avais pas de bijoux en polymère, et bah, j'ai fait des bijoux en résine. Blablabla. Voilà. Donc j'ai 4 petits pendentifs, mais sur les 4, et bien il y en a 2 qui sont pas terminés parce que j'étais en manque de résine. Et voilà, c'est bien. Du coup, j'ai 2 pendentifs de terminés et 2 autres qui sont en stand-by. Que je te montre quand même parce que... voilà, hein, on s'en fout. Bref, du coup, voici la première. C'est une petite fée dans les tons mauves. Et donc là, la résine, c'est pareil, elle est pas du tout apparente. C'est... En fait, je m'en suis servi pour coller tous les éléments ensemble. L'anneau et la feuille. Comme ça, ça tient bien. Et ça, c'est cool. Et dans tous les cas, le camé est en résine. Mais je l'avais fait il y a longtemps, ce camé-là. Ensuite, dans un vrai coquillage, eh bien j'ai ma petite sirène. Le coquillage, il tient par une petite étoile de mer. Et dans le fond, tout en résine, j'ai fait un effet eau. Ouais. La mer qui se balance dans le coquillage, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai un autre petit collier à côté, pareil dans un vrai coquillage. Je l'ai fait beaucoup plus petit. Et avec un hippocampe. C'est le même bijou, mais en plus petit. Et avec un hippocampe à la place d'une étoile de mer. Voilà. Et donc les 2 derniers pendentifs, sur lesquels il manque de la résine, il y a une fée et une sirène. La sirène, va y avoir une estampe qui va se mettre derrière. La fée, il y a déjà l'estampe, mais elle ne tient que par un fil. J'ai pas eu assez de résine, j'avais pas fait attention. On voyait du jour sur le côté. Du coup, il faut que je remette de la résine pour que ça tienne correctement. Même si là, à l'heure d'aujourd'hui, ça tient très bien, hein, bah ça fait pas joli parce que ça fait des trous sur les côtés. Voilà. Et donc, du coup, sur l'autre, la petite sirène, va y avoir aussi une estampe qui va venir derrière. Mais j'avais pas assez de résine. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fait tout le tour des bijoux que j'avais à te présenter, les bijoux en résine, qui sont déjà tous, logiquement, si, quand tu verras cette vidéo-là, seront déjà tous disponibles sur la boutique, si j'ai le temps de tout mettre. Et sur tout ça, j'ai fait 5 tutos, c'est déjà pas mal, j'ai quand même bien carburé, malgré que j'ai pas le temps, et voilà, j'ai quand même bien bossé. Comme j'ai dit, j'ai plus que le montage à faire, mais le montage vidéo, c'est très très long, donc il faut que je trouve le temps. Souvent, je fais ça le soir, la nuit, avant de me coucher. Donc j'ai les yeux complètement shootés. et puis bah voilà, c'est tout. Tu m'étonnes que je sois tout le temps fatiguée si je me couche à chaque fois à 3 à 4 heures du mat pour me lever à 6 heures après. Je n'y arriverai jamais, hein. C'est bon aussi. Bah ça y est, vous êtes réveillés. Ou ça fatigue. Tu veux dire que tu bah calme-toi, Auréo, ça va? Tu viens pour dire au revoir? Ouais? Oui, ça va, Tiki. Fais bisous. Et tu dis plus rien. Tu te fous pas un peu de ma gueule? T'es une vraie pipelette dans ton normal, hein? Voilà. Bah ouais, t'es beau, mon bébé. Petit bisou. Fais des petits bisous à caméra. Petit bisou. Non, bah doucement. Je t'ai pas demandé de faire mal à ma caméra. Elle est déjà assez souffert comme ça. Bon alors du coup c'est le moment de se dire au revoir. Alors je fais le même speech que d'habitude. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Bon. Si jamais tu veux d'autres tutos. Bon en résine pour l'instant je peux plus en faire parce que j'ai plus de résine. Mais si jamais t'as des idées, bah tu n'hésites pas à me le dire. Parce que si je peux faire, ça est le plus grand des plaisirs. Donc y a pas de problème. Que ce soit en résine ou en polymère.
Y'a pas de soucis. Non mais chut. Laisse-moi finir, c'est fini là. Oh. J'espère que cette vidéo, très longue, comme d'habitude, elle t'aura plu. Donc tu n'hésites pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je suis longue à la détente, mais je finis toujours par le faire. Encore une fois, moi je te souhaite une très bonne année, les meilleurs vœux, plein de santé et de l'argent, hein, faut le dire. Hein. Et puis ben voilà, c'est tout. C'est tout tout. Alors moi je te fais tout plein de gros poutous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Tous les vendredis à 9h, il y a une nouvelle vidéo. J'en ai marre des boutons à cause du masque. C'est horrible. Je suis sûre que j'avais autre chose à dire, mais je m'en souviens pas et ça m'énerve. Je perds la boule, c'est affolant. Ah, Moucha! Makara! Qu'est-ce que tu fais là, ma foufi? Là, c'est une sacrée vilaine. Attends. J'ai 3 branches en moins dans le sapin. Elle m'a arraché 3 branches du sapin. C'est le premier Noël qu'elle fait. Bah non, oui, t'as que 6 mois. Non, 7, 8. Oh, je sais plus. J'ai pas envie de compter là. C'est son premier Noël. Bah oui. Elle a pas encore 1 an, petite mère. C'est la première fois qu'elle voyait un sapin dans sa vie. Et puis bah voilà le résultat. Hein? T'es une terreur, toi. J'en fais quoi de ça, moi, maintenant? Ah, Kara! Où la vilaine? Dis, tu vas descendre? Bah oui! Arrête avec... mais donne pas des coups de pote, vilaine! Et tu mets les griffes, en plus! Dis donc! Kara! Kara! Qu'est-ce que tu fais là? Dis donc, Moucha, tu t'installes bien confortablement, hein? Ah non, mais attends! Je vais te montrer ça. Tu vas tomber là! Non, mais t'es une blague, je te jure. Là, pareil, des boules, j'en ai je sais pas combien au moins des boules. Qu'est-ce que tu manges là? Creuse pas les garlandes par contre, hein, je veux pas être d'accord ça. Tu es un sketch. Elle est folle. Kara. Miaou. Dis, Fifi. Ah, et non. Mais Kara, t'arrêtes de faire ta vilaine. Tiens, tu dégages, hein. Attention, hein. Ah, enfin, bref. Voilà. Petite apostrophe. Kara, t'es une vilaine. T'es une vilaine. Ou la vilaine. Tu fais dodo là? Elle adore dormir dedans. Je sais pas comment tu fais. C'est pas très confortable, hein. Ça pique. Elle préfère jouer dedans, ça c'est sûr. Bon, allez, moi je vais parler, hein. On va arrêter de perdre du temps. Elle va être triste quand on va l'enlever, hein. Avec quoi tu vas t'amuser après? La vie c'est comme ça. On n'a pas tout ce qu'on veut, mon gars.
La vie c'est comme ça. Quand tu viens, moi je m'en vas. C'était pour la rime.